Bonjour à tous, on est déjà 290 personnes à peu près pour ce troisième webinaire du MOOC Permaculture. Donc voilà, je suis Yann Bégueg, je suis vraiment ravi de vous retrouver ce soir. Donc ce soir on est dans un magasin. On est dans le magasin Natureo de Dourdan qui nous accueille voilà, pour ce webinaire spécial avec nos invités que je vais bientôt, dans un instant, d'ailleurs je vais vous laisser vous présenter, c'est pas moi qui vais vous présenter. Et voilà, un webinaire de l'Université des Colibris, on va vous inviter à poser vos questions. Voilà, donc moi je n'ai pas préparé de questions, c'est vous qui allez pouvoir interagir directement avec eux, on va dire par mon intermédiaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et Cyril, donc, qui est avec nous à la technique, se chargera de nous les transmettre. Donc vous êtes dans le cadre de l'Université des Colibris, dans le MOOC Permaculture. Tous les modules ont été ouverts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a déjà plus d'un millier de personnes qui ont fini. Vous êtes 30 000 à suivre le cours. Et donc là maintenant on est à environ 270 personnes en direct ensemble. J'ai envie aussi de rajouter, j'allais dire, pour la première fois, nous avons aussi des personnes en présentiel avec nous qui sont là, juste derrière la caméra en fait, qui vont aussi, elles aussi, pouvoir poser leurs questions. Donc vous avez des petits bouts de papier qu'on vous a distribués, donc n'hésitez pas à, si vous avez une question, à la noter et à le transmettre à Cyril, et puis après Cyril me la fera passer. Voilà, bah écoutez, j'ai envie qu'on commence. Donc Boris, Christine, Sébastien, bonjour. Qui a envie de commencer? Allez, Sébastien. On fait dans l'ordre. Donc bonjour à tous. Donc je me présente, Sébastien Gualzer. Donc je suis là en représentant de Verger Urbain, qui est une association créée en 2012 qui vise en quelque sorte à rendre la ville comestible. En gros, on a été créé par un groupe de personnes impliquées dans la permaculture, à travers notamment une réunion du collectif Île-de-France de permaculture, qui était organisée d'ailleurs par Claire et Gilda, que certains connaissent parmi vous, où on cherchait des idées pour développer la permaculture en ville et notamment à Paris. Et l'idée de s'appuyer sur les arbres fruitiers est venue comme un bon support pour amener la nature, cette nature comestible, et notamment indirectement la permaculture en ville, puisque c'est un élément qui porte différentes fonctions, qui peut avoir un impact assez important pour transformer la ville, pour la rendre un peu plus résiliente et amener des aliments, quoi, l'alimentaire, enfin la notion de produire de soi-même en ville et en bas de chez soi. Voilà, et c'était un peu aussi dans l'idée de transformer la ville. Alors il se trouve que je suis urbaniste, et donc ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de savoir comment on pouvait transformer la ville en impliquant les habitants dans leur quartier. On a vu qu'à travers à la fois l'arbre fruitier et par extension l'agriculture urbaine, dont on va aussi un peu parler ce soir, quoi, c'était un bon moyen de transformer la ville. Moi, ce auquel je suis un peu attaché, c'est qu'on peut continuer à faire de la permaculture, qu'on peut faire de la permaculture en ville. Il n'y a pas besoin de fuir la ville pour amener la nature, produire des aliments, faire cultiver son jardin. Par contre, il y a quelques transformations à apporter pour ça, quoi, en intervenant. Et ce qui nous plaît à travers l'agriculture urbaine, puisque je suis pas mal impliqué du coup dans l'agriculture urbaine, c'est que ça fait appel à pas mal de thématiques, la thématique de l'énergie, la thématique des déchets, bref, à toute une économie circulaire qui permet de revoir complètement le fonctionnement de la ville, ou ce qu'on pourrait appeler le métabolisme urbain. Et pour moi, la permaculture, à travers ses principes et son éthique, permet de revoir complètement chaque élément de fonctionnement de la ville, quoi. Voilà. Super, merci. Ouais, et puis j'imagine qu'on va pouvoir aller voir un peu plus en détail après tout ça. Ouais.
Bonsoir Christine. Bonsoir, donc je suis Christine Laurent, je suis là comme chroniqueuse du Jardin sans pétrole sur le site d'information écologique reporter.net. Voilà, j'étais journaliste pendant longtemps, maintenant j'ai un autre métier, mais je continue à écrire beaucoup et surtout à faire du jardinage. Et en 2013, on a décidé de s'occuper d'un petit terrain avec mon compagnon, ma fille, à une cinquantaine de kilomètres en fait, de Paris, pas très loin d'ici, sur l'autre branche de la ligne C du RER, derrière Chamarande. Et donc, voilà, on a appelé ça le jardin sans pétrole et on s'est lancé un peu le défi de faire ce jardin sans utiliser de pétrole. Alors, j'avoue tout de suite qu'on n'y arrive pas encore. Parce qu'en fait, le plastique est présent, enfin, c'est très difficile, mais ça nous a donné une dynamique personnelle, familiale, qui nous a vraiment entraînés dans des réflexions semaine après semaine sur nos pratiques, à la fois à Paris et puis dans le jardin. Donc on s'est mis à garder nos épluchures pour les ramener au jardin, donc à faire attention à ce qu'on mettait dans les épluchures, donc à plus consommer de légumes qu'on ne pouvait pas mettre dans les épluchures, donc plus de légumes dans lesquels il pouvait y avoir des pesticides. Et petit à petit, en fait, on est rentré dans une espèce de dynamique extrêmement vertueuse en termes de consommation, d'énergie, de relocalisation de nos loisirs aussi, puisque en fait, on échappe à la grande ville le samedi en prenant le RER avec nos vélos, avec notre seau de compost qu'on met dans le jardin. On arrive avec notre petite gamelle en fer. Enfin voilà, on peut faire réchauffer un petit truc sur un parpaing avec 2-3 branches. Et voilà, c'est une espèce de journée un peu Robinson où on jardine et en utilisant tout ce qu'on apprend en permaculture. Et on s'oriente au fil des années vers un jardin qui se ressème beaucoup tout seul, où on déplace les semis pour les mettre à une place un peu mieux, parce que quand ils sont juste dans le chemin, c'est pas pratique. Voilà, c'est une expérience qu'on mène depuis 5 ans et qui commence à changer, enfin qui a changé beaucoup de choses en fait dans nos modes de vie. On pourra y revenir. Super, merci. Et ben, bonsoir Boris. Bonsoir à tous, Boris Martel, je suis directeur de la tête de réseau Colvert. Et concrètement, Colvert, donc, c'est une tête de réseau qui développe des collectifs d'agriculture urbaine et périurbaine. On est présent sur 6 territoires pour l'instant, à savoir à Valenciennes, à Albi, à Rennes, à Montpellier, en Martinique et également en Tunisie. Et on souhaite se démultiplier un peu partout en France. Et ces collectifs développent eux-mêmes des services d'agriculture urbaine au service de la ville, au service des quartiers prioritaires et même des individus, des écoles ou des entreprises. Et donc ça va de la ferme urbaine en chantier d'insertion dans les quartiers prioritaires, aux animations sur la pollinisation dans les écoles, en passant par des poulaillers pour les particuliers et plein d'autres services. Donc on a toute une gamme de services. Et la tête de réseau soutient la création de ces collectifs. Donc n'importe quelle personne qui veut être un porteur de projet et développer une activité d'agriculture urbaine, pour peu qu'on imagine un modèle économique viable de par la multiplicité de ses services, la tête de réseau l'accompagne dans le développement de tous ces dispositifs d'agriculture urbaine dans une logique de reterritorialisation du circuit alimentaire à l'échelle d'un territoire, mais pas que, puisqu'on prône une agriculture urbaine au service du rural principalement, donc de faire des liens avec les agriculteurs ruraux, avec évidemment les méthodes aussi d'agriculture dite durable, donc agroécologie, mais pas que, permaculture, agriculture de régénération. Et on est sur une conception de l'agriculture urbaine, on va dire, soit de la pleine terre, soit du hors-sol low-tech, si je puis dire, donc des techniques hors-sol, mais qui sont facilement appropriables par les citoyens eux-mêmes, qui favorisent le lien social, et qui permet, en fait, pour nous, l'agriculture urbaine, ça a vraiment une vision écosystémique, donc qui apporte des bienfaits autres que simplement la production alimentaire. Donc on peut parler
de plein de choses, de lutte contre la criminalité, pour aller assez loin, mais on peut aussi parler de lien social, d'endroits pour faire un barbecue. Dans certains quartiers prioritaires, il n'y a pas forcément de lieu, donc barbecue, pas forcément carnivore. On peut aussi manger des légumes bio en barbecue, et plein d'autres aspects. Et donc l'idée de ce service, certains sont plus commerciaux, d'autres vraiment plus sur le lien social, c'est vraiment de créer une structure type entreprise sociale sur le territoire et d'œuvrer à la reconnexion avec la nature. Ok, super. Bah, merci déjà pour toutes ces présentations. Moi, j'ai déjà les yeux qui pétillent et j'ai plein de questions. Mais j'ai juste envie déjà de préciser, si des fois vous me voyez me tourner vers la droite, en fait, c'est tout simplement qu'on est en train de retransmettre sur le mur. Et donc, ça me permet, moi, de voir les commentaires, de suivre le temps. Et c'est là également où se trouve Cyril. Donc, c'est aussi pour ça que je me tourne, pour récupérer vos questions. Et du coup, bah, on a déjà une première question. On va parler de jardins verticaux. Est-ce que vous cultivez verticalement? Quel est l'intérêt, les contraintes? Et puis peut-être de beaux exemples de jardins verticaux dans des espaces cultuels. Précis comme question. Oui, il y en a dans les cimetières, des jardins verticaux. Dans certains cimetières parisiens, il y a des endroits où on peut avoir des petites cavernes dans des murs végétalisés. Ce qui est une alternative au HLM à urne de crémation, c'est plus sympathique, et donc ça se présente comme des grands murs, et à l'intérieur il y a des petites donc j'ai vu ça. Moi j'aime bien cultiver en vertical dans le jardin, notamment les ronces. J'essaye de les faire monter sur les. Au début, j'ai essayé de les couper parce qu'il y en avait beaucoup dans le jardin. C'était vraiment un champ de ronces, pour tout dire. Et puis après, je me suis rendu compte que plus je les coupais, plus elles faisaient plein d'épines. Donc, ça ne servait à rien de s'énerver. Et donc, j'ai lu beaucoup. Puis, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui savaient très, très bien les conduire. Et en fait, il suffit de les rouler sur le grillage. Et puis, ça arrête le vent et ça pousse très bien. Puis, ça fait des murs au mois de fin août. Donc ça peut être un exemple de verticalité très simple à mettre en œuvre, qui est de conduire comme ça des plantes comestibles dans la hauteur. Ouais, la meilleure façon de végétaliser des murs ou des façades, bon, pas forcément au point de faire d'appeler ça un jardin, quoi, mais c'est de faire pousser des plantes grimpantes. C'est vrai qu'on a souvent l'exemple des murs végétalisés développés par Patrick Blanc, mais qui ont pas mal quand même de contraintes, puisque ça suppose de ramener de l'eau. Enfin, c'est très ça gaspille énormément d'eau, quoi, donc faut le prendre en compte, et ça suppose souvent pas mal d'apports d'engrais qui sont pas toujours organiques. Du coup, quand on raisonne en permaculture, on a tendance à privilégier les plantes qui grimpent toutes seules sur les murs, sur les clôtures, et parfois pour les aider, on peut tendre des câbles si on veut pas vraiment avoir du lierre, parce que le lierre ça fait souvent peur avec ses crampons, on a peur qu'il accentue les fissures des murs, quoi. Mais voilà, il y a plusieurs manières d'accompagner la nature pour qu'elle végétalise les façades et les murs, en prenant appui éventuellement sur des balcons et des appuis de fenêtres. En ce moment, sur Paris, il y a pas mal de... Enfin, on parle beaucoup de houblon, quoi. Il y a toute une mode, entre guillemets, autour de ça, qu'on veut produire localement la bière et aussi, du coup, produire... ce qui alimente, ce qui fait partie du composé de la bière, notamment le houblon. Et donc la ville pousse un peu tout le monde à développer des houblonnières sur les façades, voire même des murs anti-bruit. Et voilà, donc ça c'est une manière assez simple de végétaliser la ville. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir faire le lien entre le pied de d'immeuble, quoi, entre la rue et les toits. Et la façade, souvent on l'oublie, quoi. Et il y a des manières assez simples de l'investir, quoi.
Et oui, juste pour compléter, effectivement, après, ça dépend si on parle de comestibles ou de non comestibles. Mais pour avoir fait un tour d'Europe sur ce genre de thématique, il y en a absolument partout. On peut même en voir à Madrid et dans les pays du Nord. À Paris, ça s'ouvre aussi. Et tout ce qui est culture verticale, il y a des projets architecturaux intéressants. Il y a 3 immeubles, me semble-t-il, qui vont être végétalisés. Un plus avec des arbres, un avec des plantes et l'autre... Donc ça sera en intérieur mais avec des algues. Donc c'est un projet qui est assez gros. Évidemment, les plantes grimpantes, me semble-t-il, c'est plus cohérent en termes permacole puisque ça grimpe déjà de fait. Et sinon, après, sur des systèmes un peu plus techniques, on pourrait notamment citer, même si là, du coup, c'est du hors-sol, des structures comme Agripolis ou Totem qui sont quand même du vertical, qui peuvent servir. Et qui sont, me semble-t-il, complémentaires à d'autres formes existantes. D'accord, merci. Et moi, du coup, là, j'ai vraiment l'image de... On peut vraiment végétaliser tout, en fait. Du coup, c'est... Voilà, j'adore. Du coup, ça pose aussi des questions, parce que certains voient encore la nature comme quelque chose de sale. Et notamment une question là qui nous arrive, comment les autorités réagissent aux arbres fruitiers, ou j'imagine aux autres, qui salissent les rues? J'imagine que ça leur fait plus de boulot, c'est peut-être pas forcément évident. C'est vrai que c'était pas évident au début quand on a lancé Verger Urbain. Un des premiers, des premières actions qu'on a lancées, c'était... En fait, on était pas mal investi dans un jardin partagé qui est dans le quartier La Chapelle. Et il y avait une impasse qui menait à ce jardin partagé où il y avait pas mal d'arbres fruitiers ornementaux. C'est-à-dire qu'ils produisent des fleurs, mais ils dépassent pas le stade de la fleur. Ou alors ça donne des petits fruits non comestibles. Donc il y avait plusieurs de ces arbres qui étaient morts. La ville devait les remplacer. Et on avait poussé un peu, on a demandé à la ville qu'elle les remplace par des cerisiers qui donnent des cerises. Et voilà, on a reçu tout de suite un refus catégorique avec diverses arguments, dont ces questions de salissure, mais aussi d'autres arguments sur le fait que ça inciterait les enfants à grimper à l'arbre pour cueillir les fruits, casser des branches, tomber sur la tête, etc. Ou alors... ramasser les fruits, se les jeter à la figure, ou même glisser en marchant sur les fruits. Donc voilà, c'était pas gagné. Puis après, quelques mois après, on a vu qu'il y a, c'est devenu possible. Quoi. On voit que la mentalité avait un peu évolué. Il y avait peut-être une pression aussi des élus qui se sont montrés un peu moteurs par rapport à cette question-là. Et on a finalement réussi à les convaincre de mettre des arbres fruitiers sur cette impasse. Donc ça devait être parmi les premiers arbres fruitiers à revenir sur l'espace public à Paris. Alors ils ont choisi des cognassiers, hein, ce qui donne des coins. Ça incite pas trop à les cueillir parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est et comment on les consomme, quoi. Donc voilà. Et maintenant, depuis, ça devient un peu plus simple de mettre des arbres fruitiers dans l'espace public. Après, c'est vrai qu'il y a toujours quand même des contraintes qui sont quand même justifiées. C'est vrai que certains fruits, quand ils tombent sur le trottoir, ça, c'est pas toujours simple à gérer. On peut en effet marcher dessus. Voilà, et les services propreté peuvent trouver ça comme ça leur donne un boulot en plus. Mais par contre, du coup, ce qu'on répond, c'est que le problème, c'est pas tant que le fruit tombe et salit les trottoirs. Le problème, c'est que le trottoir est imperméabilisé, c'est du bitume. Alors que s'il tombait sur un espace enherbé, ce serait beaucoup moins un problème. Donc voilà, ça demande du coup un changement de conception vraiment de l'espace urbain, en fait, pour que l'arbre fruitier soit accepté en ville. Et l'autre inconvénient, c'est que les fruits sont tout de suite rapidement, parfois, cueillis. Voilà, donc on n'en profite pas forcément tous, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas encore assez d'arbres fruitiers, il n'y a pas encore de l'abondance, et je pense qu'une fois qu'on aura créé l'abondance en fruitiers dans la ville, quoi, il y aura moins de... Il y aura une meilleure répartition et moins de ruée sur les rares
rares arbres fruitiers qu'on voit encore en ville, quoi. Et une des possibles solutions encore à l'international, il me semble que c'était quand on était en Norvège, c'est une structure qui s'appelle Epeschlang et qui en fait, donc il y a plein d'arbres fruitiers sur place, principalement des pommes, et ils travaillent avec des personnes en insertion, me semble-t-il, c'est majoritairement des SDF, pour aller récupérer ces fruits et faire un jus de pomme qu'ils revendent. Et donc c'est une entreprise sociale qui fonctionne bien. Et là, du coup, il n'y a plus le problème des fruits qui tombent. Puisqu'ils sont récupérés avant de faire l'alcool directement sur place. Et j'ai envie quand même de vous poser une question. Là, on est, j'imagine, il y a plusieurs internautes qui regardent. Moi-même, je vis dans un petit village. J'ai eu l'occasion de discuter avec le maire, justement, de jardins partagés, de donner des espaces. Et clairement, j'ai senti que mes arguments étaient assez faibles, même si moi, je suis absolument convaincu de l'intérêt de remettre de la nature dans l'urbain. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager deux, trois arguments qui vous semblent pertinents, justement, quand on échange avec un élu sur pourquoi une agriculture plus urbaine ? Ouais, bah, ce qu'on défend, c'est le côté multifonctionnel de l'agriculture. En gros, c'est pas forcément uniquement pour produire des aliments, pour nourrir la commune. Ce qu'on défend, c'est une agriculture qui va faire du lien social, qui va créer des espaces d'interaction entre les gens, des espaces de pédagogique où on va sensibiliser sur d'où viennent nos aliments, comment on les transforme, comment on les cuisine. Du coup, ça permet d'impliquer aussi les écoles, quoi. Il y a une dimension vraiment pédagogique à développer avec le programme des écoles. Du coup, ça a un impact indirect sur la santé des enfants et même de tous. Et en fait, voilà, les impacts indirects sont vraiment innombrables. Voilà, en permaculture, ce qu'on défend, c'est le côté multifonctionnel des choses, quoi, avec un élément, porte différentes fonctions. L'agriculture urbaine, c'est ça, quoi. Ça va porter différentes fonctions et générer vraiment tout un tas de bénéfices sur la ville, notamment des bénéfices écosystémiques, comme on dit. Quand on est en ville, on a quelques problèmes. Pendant les temps caniculaires où on a ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire qu'il fait peut-être 6 degrés plus chaud dans la ville qu'en campagne, et ben avoir des espaces de nature cultivés ou pas, ça permet de réduire ces îlots de chaleur urbains. C'est la même chose dans les petits villages, parce qu'en fait, chacun est... Dans sa maison, avec son jardin, et finalement la vie sociale se délite aussi. Il y a besoin aussi de créer du lien social, je pense, dans les villages. Ça me fait penser à Saint-Pierre de Frugy en Dordogne, où le maire a créé comme ça un jardin partagé à l'entrée du village où les enfants viennent. Ça a été le point de départ d'une espèce de révolution lente dans son village. Et en 10 ans, il y a des tas d'urbains qui sont venus s'installer. Il y a une école qui s'est ouverte. Ça a complètement changé la trajectoire du village, qui était normalement un village qui aurait dû mourir. Enfin, il était parti pour ça. Et en fait, moi, ce que ça me suggère, c'est... je ne sais pas si c'est un argument pour un élu, mais je trouve que de jardiner ensemble... que ce soit en famille ou avec des amis, c'est une sorte de... C'est une manière assez simple, en fait, de se réapproprier une forme d'autonomie. Et c'est extrêmement gratifiant. Et tous les gens qui jardinent, avec d'autres, parce qu'on apprend mieux quand on est à plusieurs, chacun peut apporter des connaissances différentes, les partager... Quand on voit les choses pousser, quand on peut déguster ensemble quelque chose qu'on a fait pousser ensemble, il y a une valeur extraordinaire de changement et de joie de vivre qui imprègne ça. Et voilà, je crois que tous les villages, oui, devraient avoir des endroits comme ça, parce que dans les villages, c'est vraiment facile de trouver un petit commun qui peut être géré ensemble par les habitants.
Et peut-être pour compléter, quand on va avoir des collectivités, en fait, il faut démontrer que monter des services d'agriculture urbaine sur leur propre territoire, c'est plus une ressource qu'une charge pour eux, s'ils font le calcul au bout du compte. Et c'est effectivement le cas. Il y a des recherches qui vont dans ce sens, déjà sur l'agriculture rurale. On peut notamment parler du plaidoyer de Ferme d'Avenir qui montre que l'ensemble des services écosystémiques apportés par les formes d'agroécologie ou de permaculture permettent d'économiser de l'argent au niveau de la sécurité sociale et au niveau de plein d'autres endroits. L'agriculture urbaine, c'est pareil, ça peut permettre d'économiser de l'argent sur plein d'autres aspects. Ça peut augmenter le coût du foncier aussi, donc ça peut potentiellement être intéressant pour des bailleurs. Après, attention, parce que ça peut aussi être dangereux, mais quand on valorise des friches industrielles à travers des activités agricoles, mais également culturelles, on fait venir du monde, on valorise un endroit qui parfois peut être à l'abandon, donc on enlève aussi les détritus, on crée de la vie. Et tout ça, ça peut être valorisé pour des collectivités. Il y a notamment maintenant quand même sur chaque collectivité des programmes, donc il y a les PAT, programmes alimentaires territoriaux, les PAD, programmes alimentaires durables. Enfin, tout le monde s'est approprié ces sujets-là. Et je pense qu'on peut vendre l'agriculture urbaine comme étant un complément de cette relocalisation des circuits alimentaires. Elle n'est pas uniquement, elle est nécessaire avec l'agriculture périurbaine et l'agriculture rurale, c'est un complément important, et il faut faire ça en complémentarité avec tous les autres acteurs et développer des services type légumerie, conserverie, centre de transformation, par exemple pour les quartiers prioritaires. Manger des légumes directement à même, qui ne connaissent pas forcément, c'est compliqué, mais faire des ateliers pour développer des produits, des conserves, etc., ça touche directement aussi des publics qui ne sont pas forcément sensibilisés. Et du coup, il y a plein d'arguments pour développer ces services. Super, mais merci. Alors, les questions continuent d'arriver. Là, on va continuer un peu justement sur la formation. Donc, Christine, tu avais déjà dit deux mots, mais où et comment se former à la perma en ville? Bon, bah, par exemple, enfin, il y a de plus en plus de formations qui se font. Hein. On parlait tout à l'heure de l'école du Breuil, qui est une école publique. Bientôt peut-être plus, mais à Paris. Ça va rester public. Ouais. Oui. D'accord. Il y a aussi les lycées agricoles qui commencent à s'approprier le sujet, des écoles d'ingénieurs. Je pense notamment à AgroParisTech qui a développé toute une entité agriculture urbaine depuis longtemps. Les écoles Unilassal aussi se développent là-dessus. Et il me semble qu'il y a des BPREA qui commencent à s'emparer du sujet également. Et puis il y a des associations partout hein, de permaculteurs qui accueillent, qui organisent des initiations à la permaculture, des introductions à la permaculture, et puis peut-être des choses plus... Enfin, je sais qu'il y en a à Montreuil, je sais qu'il y en a... Oui, je pense qu'il y a pas mal d'offres aujourd'hui. Il y a une association qui s'appelle Branpaille, et puis il y a l'école populaire de permaculture. Donc en allant sur ces sites, on peut trouver près de chez soi. Et puis il y a des groupes sur Facebook en fait de permaculteurs où on peut échanger des tuyaux, s'informer, se former au contact des autres. Il y a beaucoup de, il commence à y avoir beaucoup de gens qui sont certifiés en permaculture en France et qui organisent des formations. Si on n'a pas envie de passer par quelque chose de trop lourd, hein, chacun peut avoir envie de s'approprier les concepts de la permaculture, mais surtout la permaculture, quand on a fait le MOOC, après ce qu'il faut c'est pratiquer, et pour pratiquer c'est bien de pouvoir échanger avec d'autres pour confronter ses idées et faire avancer les designs et les cheminements, quoi. Ça c'est le plus important, il me semble. Mais c'est vrai, notamment en s'impliquant dans des jardins partagés, en général dans les villes on voit de plus en plus de jardins partagés ou alors des jardins familiaux. Donc voilà, au-delà du CCP, enfin des cours officiels de permaculture, quoi, on peut s'impliquer vraiment en faisant. En fait, c'est souvent, enfin, ça compose l'essentiel de la formation en permaculture, c'est souvent la pratique. Du coup, voilà, faut se trouver un terrain. Lorsqu'on a un terrain et en ville c'est rare, c'est tant mieux. Mais bon, c'est aussi bien de se rapprocher de ceux qui ont le savoir. Parfois, ce sont les anciens. Et voir s'il n'y a pas de jardin partagé, essayer de trouver un collectif pour en créer un.
Sinon, pour ma part, on est basé à Paris. Il y a eu encore très peu de CCP de permaculture organisés, mais là, le dernier qu'on a organisé, c'était en novembre pour la ville de Paris, comme quoi les villes maintenant commencent vraiment à s'intéresser à ça, et la ville de Paris veut continuer à organiser des cours de permaculture. Sinon, le dernier qu'il y a eu, c'était en 2012, c'était organisé par Steve Reed avec notamment Claire et Gilda dans le quartier où Verger Urbain est basé, quoi. Et juste sur l'agriculture urbaine et périurbaine, bon, rien n'est fait pour l'instant, mais il y a des appels à projets pour développer des outils pédagogiques et Colvert, on s'associe avec d'autres acteurs de l'agriculture urbaine pour pouvoir éventuellement développer un MOOC sur ce sujet-là qui serait en complémentarité avec l'existant et peut-être avec Colibri, si tout se passe bien. Suspense. Oui. Et j'ai envie de dire aussi, ça peut être vraiment une bonne occasion pour commencer. Effectivement, comme tu l'as dit, la permaculture, ça s'apprend pas que dans un MOOC. C'est surtout par la pratique et en allant sur le terrain. Et donc, pour ça, vous avez le wiki à disposition. Je crois que c'est plus de 75 rencontres qui sont organisées justement pour que vous puissiez vous rencontrer. Et c'est une bonne occasion de tout de suite rencontrer l'écosystème qui est autour de vous. Il y aura forcément des permaculteurs qui seront plus compétents que vous. Et donc c'est vraiment une occasion de mettre la main à la pâte et de tester un peu plus effectivement avant peut-être de se lancer dans des formations comme un PDC ou même carrément diplômante. Et c'est chouette d'ailleurs que toutes ces formations arrivent, quoi. Alors, je vais prendre, forcément, on l'a à chaque webinaire, hein, la question du financement et du modèle économique. Voilà. D'où tirez-vous vos financements et quel est votre modèle économique à chacun? Donc, Verger Urbain, on n'a pas énormément de subs. On a encore quelques aides à l'emploi, alors c'est beaucoup moins maintenant, mais on en a encore. En fait, on est 5 salariés, hein, donc heureusement qu'il reste quelques aides. Sinon, la plupart des financements viennent par exemple des bailleurs, où on accompagne les bailleurs pour créer des jardins collectifs ou des jardins partager ou alors revoir complètement la conception des espaces verts des pieds d'immeubles, qu'on retrouve au niveau des espaces collectifs des grands ensembles pour les rendre comestibles et participatifs. Donc on les accompagne dans la mobilisation des habitants, la conception et l'animation de chantiers, notamment des chantiers éducatifs avec des jeunes en insertion. Donc tout ça, ça fait un budget qui représente une bonne part de nos financements. Ensuite, l'autre partie des financements, c'est l'accompagnement de la végétalisation de l'espace public où, selon le même processus, mobilisation, conception et chantier, on transforme un peu les espaces publics. Sinon, l'autre partie, c'est l'animation d'ateliers ou formation destinée au grand public ou alors à des pros. Moi, j'ai pas vraiment de modèle économique, mais ça a un coût quand même, le jardin, puisqu'on le loue. Mais en fait, on y va en RER avec la carte Navigo qui nous sert la semaine pour aller travailler, donc c'est pas coûteux. Et puis, comme on n'a pas de ressources en propre tellement, on fait avec les moyens du bord, et là, on est vraiment dans la permaculture. On utilise le fumier du centre équestre qui est à côté. On va chercher des feuilles pour recouvrir le jardin à la fin de la saison jusqu'à la prochaine. On laisse les choses se ressemer. On a investi très très peu de choses. On n'a même pas une cabane pour nos outils qu'on accroche en fait. Parce qu'il y a une énorme tuya qui est très prégnante. Mais l'avantage du tuya, c'est que l'eau glisse. Et donc, près du tronc, il n'y a pas d'eau, même quand il pleut beaucoup. Et donc, on accroche dans le grillage qui passe au ras des troncs du tuyal les outils. Et on les passe bien à l'huile de lin pour pas qu'ils s'abîment, et ça va.
Voilà, c'est vraiment de la pratique quotidienne d'essayer de faire avec rien. Et c'est assez enrichissant et intéressant d'y réfléchir, justement, d'être dans cette logique. Et donc pour nous, on va dire qu'on a un modèle économique permacole, si je puis dire, pour deux raisons. Déjà, en fait, ça dépend. Et en permaculture, ça dépend souvent des contextes et donc des territoires et donc des collectifs, puisque chaque collectif a ses propres services. Et ce qui est important pour nous, c'est l'hybridation en fait des ressources. Donc on a des subventions, on a des prestations de services, on équilibre notre modèle via cette hybridation de ressources. Chacun des collectifs développe, on va dire, entre 1 et 7 services différents. Et c'est par la multiplicité de ces services que le modèle économique permet d'être viable. On ne fait pas payer la même chose quand on développe une ferme urbaine en quartier prioritaire sur la production. On va faire payer très peu cher les produits. On essaye même de vendre des produits au même prix que le Lidl du coin ou le supermarché du coin pour pouvoir vraiment sensibiliser. En revanche, quand on fait une prestation de service pour faire d'une entreprise une zone de protection de la biodiversité, on va facturer un peu plus cher que dans le quartier prioritaire. Et donc c'est vraiment cette hybridation de ressources qui permet d'avoir un modèle stable. Et par ailleurs, en fait, l'activité de la tête de réseau associatif, c'est de mutualiser au maximum les services et donc de limiter les coûts. Quand on fait la levée de fonds pour l'ensemble de nos collectifs, à force de faire des dossiers, si je puis dire, on commence à développer une expertise et on gagne beaucoup beaucoup de temps par rapport à ceux qui ont la main dans la terre directement et qui font ces activités d'agriculture urbaine. On mutualise donc cette levée de fonds, on mutualise des services juridiques, des services comptables, etc. Et donc, comme dans les énergies renouvelables, c'est efficacité, sobriété et la diversité des renouvelables, donc là la diversité des services qui permet d'avoir ce modèle économique. Super, bah merci à vous trois. Lequel je vais prendre, voilà. La pollution des villes ne pose-t-elle pas problème au niveau de la qualité des fruits? C'est vrai que quand on voit à Paris l'air qu'on respire, et on se dit, mais on va retrouver ça dans ce qu'on cultive. Il y a des expériences qui ont été faites de mesures de la pollution. En fait, la terre pose plus de problèmes souvent que l'air. Ce qui peut être très préjudiciable, c'est l'ozone. L'ozone troposphérique, c'est-à-dire qui est dégagé quand il y a de la chaleur et beaucoup de voitures qui roulent. Mais en fait, l'ozone n'a pas forcément tendance à s'accumuler dans les villes. Elle est présente partout, y compris à la campagne. Et c'est, ça se voit tout de suite parce qu'en fait les feuilles jaunissent et s'abîment énormément. Et donc en fait quand on cultive, ce qui est important c'est de savoir ce qu'il y a dans le sol. Donc à Paris on ne fait pas beaucoup de pleine terre, c'est très compliqué. Il y a eu beaucoup beaucoup d'industries au 19e siècle qui ont pollué énormément de sol. Chaque fois qu'on fait un jardin à Paris, on est obligé de décaisser 50 cm d'épaisseur de terre et d'amener de la nouvelle terre végétale. Et donc ça, c'est assez compliqué, mais en fait, la bonne terre, c'est le compost qu'on fabrique chez soi avec des bons légumes qu'on a mangés. Et donc, voilà, c'est un cercle très vertueux de réutiliser. Ça me fait penser au père fondateur de la permaculture, enfin, c'était pas un permaculteur, mais de l'agriculture naturelle, Masanobu Fukuoka, je vais essayer de ne pas accrocher son nom, mais qui a passé sa vie à montrer qu'on pouvait faire pousser du riz et de l'orge simplement en utilisant sur place, en laissant sur place tout ce qui n'était pas la graine et qu'on ne mangeait pas. Et donc vraiment le cycle complètement vertueux de la plante qui offre ce qu'il y a à manger à l'homme, et si on laisse tous les résidus, tout ce qu'elle a produit pour arriver à cette graine, et ben en fait on le rend au sol et ça suffit pour que la plante puisse repousser les années suivantes sans abîmer le sol. C'est vrai que pour diminuer l'effet de la pollution, comme tu l'as dit, ouais, c'est Il y a plein de précautions à prendre, quoi, notamment mettre des gants. Bon, alors c'est un peu dommage, on a tous envie de mettre la main à la terre, quoi, mais voilà, quand elle est polluée, on conseille plutôt de mettre des gants, et notamment pour éviter... En fait, ce qui est dangereux, c'est d'ingérer directement la terre polluée. C'est pas tant de manger les fruits et légumes qui poussent dedans. Enfin, ça peut être dangereux quand même, mais...
Mais voilà, c'est plus voilà, l'ingestion de la terre. Et sinon, bah, on conseille de rincer les fruits et légumes. Déjà, il y a une grosse partie de la pollution qui partira, notamment la pollution de l'air. Sinon, par rapport, je vois que la question était très centrée fruits, et on a de la chance parce qu'en fait, les polluants vont très peu dans les fruits. En fait, il faut choisir les produits, ce qu'on veut faire pousser en fonction de l'état du sol. Et il se trouve que voilà, ça, le polluant, bah, il est souvent stocké dans les troncs et dans les feuilles et moins dans les parties sexuées de la plante et notamment les fruits. C'est le cas aussi des tomates. Elles absorbent moins les polluants que les restes, que d'autres légumes, notamment les aromates. On déconseille les aromates dans certaines zones polluées. Et voilà. Et alors nous, pour prendre exemple sur, par exemple, deux collectifs, à Valenciennes, notre ferme urbaine, elle est dans un quartier où, en fait, la terre est complètement impropre à la culture, puisque c'est des bâtiments qui ont été détruits, il y a eu des déchets, on a récupéré des canapés, enfin des choses un peu incroyables sur le terrain. Et là, donc, du coup, on a mis des bacs de culture, concrètement, et effectivement, on a recréé un sol à partir de compost urbain, donc des cartons, du papier, etc., des déchets verts, des déchets bruns et du compost. Et l'ensemble permet de recréer de la terre avec de plus en plus de biodiversité dedans en plus. Et on peut également mettre des buts. Alors, on expérimente, on regarde déjà si ça, y a une porosité avec la terre polluée ou pas. Bon, la terre, elle est tellement dure que pour l'instant, les buts ne touchent pas cette terre-là. Donc ça fonctionne sur ce qu'on appelle du hors-sol low-tech. Après, il y a d'autres problématiques selon le contexte. En Martinique, par exemple, c'est la pollution au chlordécone, dont on entend encore un peu parler en ce moment, mais qui a pollué énormément les sols du fait de la culture de la banane. Effectivement, on retrouve moins ces polluants dans la banane, mais les sols sont très très pollués. Et donc là, on essaie de travailler avec le collectif en Martinique pour identifier des sols qui ne seraient pas pollués au chlordécone. D'autant plus que ce polluant n'est pas compté dans le label bio, puisqu'en fait, c'est un polluant qui est interdit en France depuis longtemps. Seulement, évidemment, dans certains, on l'a encore autorisé aux Antilles alors qu'il est interdit. Et il ne rentre pas dans le cahier des charges du label bio. Donc on peut avoir des produits bio issus de la Martinique qui poussent sur des sols pollués avec ce type de pesticides. Voilà. Et ton intervention sur les aromates, du coup, ça me fait dire, mais est-ce qu'on peut pas se servir justement de plantes pour dépolluer les sols, et est-ce que ça prendrait beaucoup trop de temps et... Ouais, non, mais c'est vrai que les plantes sont un bon élément pour stocker les polluants, mais c'est vrai que ça peut prendre du temps. Après, il faut savoir quoi faire de la plante qui a récupéré le polluant. On ne peut pas la consommer. Il faut l'amener, l'exporter à un endroit qui est quand même protégé, quoi. Après, il y a d'autres plantes qui vont dégrader le polluant, notamment les hydrocarbures. C'est un polluant qui peut se dégrader, quoi. Mais par contre, tout ce qui est métaux lourds, là, c'est un peu plus problématique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant des entreprises pharmaceutiques qui ont cultivé certaines plantes dans des zones polluées pour pouvoir récupérer ce polluant et le valoriser en tant que molécule thérapeutique. Ça, c'est des pistes intéressantes, mais pour l'instant, c'est un peu à la marge, quoi. Il y a le tournesol, je crois, qui est une plante très très efficace pour dépesticider les sols, sauf qu'après on se retrouve avec des graines de tournesol qui sont parce qu'en fait le gras absorbe énormément tous les polluants chimiques et donc après ben voilà, on se retrouve avec effectivement le stock de tournesol et ça ne vaut que pour ce type de pollution. Le problème en ville, c'est que les pollutions sont extrêmement diverses. Et que c'est très difficile même de les connaître, de les quantifier, parce que il faut avoir en tête toute la liste. Donc si on veut pouvoir dépolluer un sol, il faut commencer par faire l'histoire du site, donc essayer de savoir ce qui s'y est passé, donc faire des recherches cadastrales
pour pouvoir commencer à savoir à partir de quand le site a été utilisé, quelles ont été les différentes occupations dans le temps. Et puis, une fois qu'on a eu toutes ces occupations, on peut avoir en tête qu'il y a, il peut y avoir tel polluant. Donc, on va vérifier par des analyses. Et puis après, c'est une diversité de plantes qui va pouvoir absorber tel ou tel produit, quoi. Donc, c'est quand même extrêmement complexe. La phytoremédiation, c'est vrai que c'est une science en plein essor, mais ça reste encore aujourd'hui assez compliqué de se dire qu'on va pouvoir utiliser ça là sur un terrain pour faire de l'agriculture dans l'année prochaine ou dans 2 ou 3 ans, quoi. Il vaut mieux effectivement s'isoler et puis créer son sol dessus. Et puis peut-être dans des endroits plus éloignés, effectivement, c'est bien. Toutes ces questions de phytoremédiation sont vraiment passionnantes. Ouais. Et en plantes, il y a aussi les épinards, me semble-t-il, qui dépolluent, il y a les pommes de terre. Mais si on fait un peu de prospective, je pense qu'effectivement, il y a quand même une des problématiques mondiales qui est le métal pic, enfin le fait qu'on a de plus en plus besoin de métaux rares et qu'ils sont moins en moins disponibles. Il faut creuser de plus en plus dans des mines, parfois dans des conditions assez atroces. Donc peut-être que il y a une industrie qui pourrait se créer de dépollution et de récupération des métaux directement dans les sols pollués. Ça va prendre du temps, il faut de la recherche et du développement, mais je pense que c'est une perspective intéressante d'aller récupérer, au même titre que les téléphones, au lieu d'aller chercher du cadmium au Congo, peut-être aller récupérer ces métaux dans les téléphones usés, parce qu'on est tous, on a à peu près tous des téléphones dans nos tiroirs qui servent à rien. Et donc voilà, je pense que c'est un développement intéressant. Ouais. Et justement, donc pour ceux qui ont envie de s'y mettre et avec tous vos conseils, est-ce qu'il existe des associations ou autres d'ailleurs qui mettent en relation des personnes qui ont un terrain, mais pas le temps pour le cultiver, avec des personnes qui recherchent un terrain ? Alors il y en a deux. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à jardiner. En 2010, je suis allée sur un site qui s'appelait « Savez-vous planter chez nous ?». Alors, il y a de tout. Hein. Il y a des gens un peu pingres qui cherchent un jardinier à l'œil et en échange, ils vous donnent un petit bout de terrain. Mais il y a des gens qui sont dans un échange très permaculturel, on pourrait dire, et qui sont très contents que des gens viennent cultiver un bout de terrain. Et notamment là, dans toute la banlieue parisienne, il y a des tas de gens qui se sont installés dans des grands pavillons et des grands terrains dans les années 60. Ces gens-là ont tous plus de 70 ans aujourd'hui. Les 3000 mètres carrés de jardin, ça ne le fait pas. Et donc, il y a beaucoup d'annonces en périphérie des villes, en fait, pour aller jardiner. Il y a un autre site qui existe, mais malheureusement, le nom ne me revient pas. Peut-être Prêter son jardin, c'est ça. Prêtersonjardin.com. Merci de le mentionner parce qu'on vient justement de faire un partenariat national avec Savez-vous planter chez nous, puisque c'était un service qu'on souhaitait développer. Et évidemment, dans la permaculture, on essaye de pas réinventer l'eau chaude. Et comme c'était déjà une plateforme qui fonctionne très bien, on a noué ce partenariat pour valoriser justement ces actions-là qui se développent partout en France et après développer d'autres services liés à ça. C'est juste pour revenir à la question d'avant. C'est qu'on a quitté ce jardin où on était, les gens étaient absolument adorables, le terrain était super, sauf que la première année, on avait un tout petit bout de terrain, puis quand on a voulu s'agrandir, en fait, on s'est rendu compte que, avant que ces gens-là n'aient ce terrain, qui était une demi-propriété où il y avait un château dans un village de l'Essonne, ça avait été utilisé pour brûler des tas de déchets, en fait. Et donc, moi, je me suis dit, non, je viens faire un jardin, là, c'est pas possible. Et donc, voilà comment on a dû arrêter. Donc, il faut effectivement faire attention aux annonces où on va et regarder. Mais je trouve que c'est une chouette idée, ouais, de pouvoir jardiner comme ça. Et puis, ça me fait penser sur le lieu de Pascal Depienne. Il a noté... alors, il faut que je me rappelle de la phrase exactement, mais cultive cet espace comme si tu y étais pour toujours. Et vous connaissez peut-être la fin. Non, mince, je me retrouve tout seul. Ah. mais je sais plus. Voilà, bref. Ouais, en tout cas, c'est dans le documentaire de Pascal Depienne, donc vous pourrez aller le voir. C'était pas pour faire du teasing, mais voilà, j'aimais bien cette notion d'être.
Oui, il y en aura. Bah oui, il y en a sûrement qui, oui, voilà, oui, qui l'ont vu. Alors aidez-moi. Ouais. Mais en tout cas, oui, j'aime bien cette notion d'être vraiment au service, en fait, finalement, d'agrader une terre qui nous appartient pas. J'aime bien, en tout cas, la démarche. Moi, c'est vraiment chouette parce que j'avais eu cette question il y a une semaine par quelqu'un d'autre, et du coup, la réponse était contacter le groupe local Colibri le plus proche de chez vous. Mais c'est peut-être plus pertinent. Enfin voilà, ça peut aussi compléter. On va parler maintenant pas que voilà de terrain, mais aussi de toit. Parce qu'on a parlé, voilà, on a fait le terrain, le vertical. Et donc, déjà, je serais curieux de savoir si Natureo a un toit végétalisé. Ah, voilà, peut-être une piste. Hein. Mais la question, c'est comment évolue la législation pour les copropriétés, pour favoriser les jardins de toit et les panneaux solaires ? Il y a une, à Paris, il y a eu une modification du plan local d'urbanisme qui oblige maintenant toutes les terrasses de plus de 100 mètres carrés doivent être végétalisées et toutes les terrasses de plus de 500 mètres carrés doivent développer de l'agriculture urbaine. Donc, bon, ça, c'est pour les immeubles à venir. Mais c'est vrai qu'il y a eu un programme qui a été lancé par la ville de Paris qui s'appelle les Pariculteurs. Et donc, il vise à développer l'agriculture urbaine sur les toits parisiens. L'objectif est d'arriver à plus de 30 hectares de toiture en agriculture urbaine d'ici 2020. Et donc, il y a des appels à projets chaque année. Donc, toutes les entreprises, les institutionnels qui avaient des toits terrasses, la ville a été voir dans quelle mesure c'était possible de les utiliser. En fait, c'est plus un problème de portance qu'un problème de législation. Il y a évidemment des problèmes d'accès aussi. Souvent, il n'y a pas d'escalier pour arriver. Donc ça nécessite pas mal d'aménagements aussi. Donc voilà, la difficulté, elle ne vient pas tellement d'amener de la terre, de la paille et de commencer à jardiner. Que de pouvoir à la fois supporter d'avoir de la terre et de l'eau, et puis aussi pouvoir accéder et être protégé pour pas tomber dans le vide quoi. Mais je pense que vous avez des terrasses. Je fais partie d'une asso qui s'appelle Toit Vivant, qui est un peu une asso jumelle de Verger Urbain, qui est du coup, comme son nom l'indique, très ciblé sur les toits. Et en effet, on a aussi répondu à plusieurs appels à projets de pariculteurs. D'ailleurs, on cultive un toit dans le deuxième. C'est le toit du centre gendarme. Et en effet, en fait, il n'y a pas encore énormément de toits cultivés à Paris ou ailleurs. Pour toutes les raisons que tu as évoquées, c'est pas tant des contraintes juridiques, c'est des contraintes techniques et aussi des contraintes de sécurité, parce qu'on peut pas ramener du grand public facilement, à moins que le toit soit vraiment conçu dès le départ pour ça, et il y en a très peu. Et parce que ça suppose d'avoir les garde-corps aux normes, un minimum de portance, des accès avec au moins deux escaliers en fonction de... Enfin, à partir de telle surface, bref, il y a des contraintes innombrables. Ensuite, si on veut poser une serre, c'est d'autres contraintes qui... ça devient de plus en plus possible. Mais bon, il y a à Paris, pour le cas de Paris, il y a la contrainte patrimoniale qui est souvent un peu mise en avant contre ces projets-là, quoi. Bon, bref, c'est possible en fonction des cas. En tout cas, voilà, il y a une forte volonté à Paris pour développer ce type de projet. Et au-delà des contraintes techniques et réglementaires, il y a la contrainte de la viabilité économique. Si on veut faire un projet viable qui produit des aliments qu'on va vendre, c'est très compliqué sur des petites surfaces, surtout s'il faut monter le compost par des petits escaliers, puis descendre ses produits. Et voilà, il y a tout un tas de contraintes comme ça à prendre en compte, quoi. Il y a un très joli exemple qui s'appelle Facteur Graines, qui est sur la poste du boulevard de la Chapelle. Et c'est des facteurs qui travaillent quasiment sous éclairage électrique toute la journée à trier le courrier, qui ont créé une petite association pour cultiver sur les toits de la poste. Et c'est génial parce qu'en fait, ils ont détourné
toute l'infrastructure qui est mise en place pour le courrier, les lettres, etc., pour installer leur projet. Donc, ils cultivent dans les vieux sacs en matière de sacoches à vélo, là, qui sont plus en assez bon état pour transporter les lettres. Et donc, ils ont mis comme ça des herbes aromatiques, ils ont installé... Enfin, c'est vraiment chouette. Et en fait, bon, ils n'ont pas vraiment une vocation économique, mais ils ont une vocation, on va dire, d'autosuffisance financière pour leur association. Mais c'est devenu un lieu extrêmement convivial dans le bâtiment. Les gens viennent pour prendre le café sur la terrasse. Enfin, ça leur a ouvert le ciel et ça a complètement transformé leur vie au travail, en fait, cet endroit. Et voilà, c'est ça aussi l'intérêt de pouvoir cultiver, s'emparer des cultures. On n'est pas forcément dans de l'intensif, mais dans de la qualité de vie, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Oui, et peut-être pour compléter sur les toits, effectivement, comme tu le disais, Sébastien, tout à l'heure, au niveau des services que cela peut apporter, il y a l'isolation qui est intéressante, il y a la lutte contre les îlots de chaleur. Effectivement, en termes de modèle économique, on peut pas tout baser sur la production et il y a d'innombrables contraintes. Après, on peut imaginer que sur les bâtiments neufs ou les bâtiments qui sont en cours de construction, on intègre un certain nombre de contraintes à l'origine, à la construction, et notamment en termes de portance, pour pouvoir avoir du comestible et avoir quand même au moins 30 cm de terre sur les toits pour pouvoir cultiver. Donc c'est peut-être quelque chose qui va se développer, en tout cas d'un point de vue architectural. Et puis il y a quand même une volonté un peu partout de développer ce genre de choses. En tout cas, maintenant, tous les appels à projets ou les concours d'architecture, maintenant, tous les architectes proposent des toits cultivés ou au moins des arbres sur les toits. Bref, dans quelques années, ça va quand même se métamorphoser, au moins dans les quartiers en construction. Mais justement, ça me fait donc Colibri va lancer une oasis urbaine dans le parc de la Villette. On vient d'avoir la réponse positive la semaine dernière, et donc il y aura effectivement 4000 m² du coup de toiture végétalisée où un maraîcher, justement, donc là on a suffisamment d'espace pour qu'un maraîcher pourra vraiment produire. Et donc ce sera un complexe aussi où on aura une salle de concert. Donc la prochaine fois, il y aura peut-être pas juste 20 personnes dans les webinaires. Il y aura aussi les bureaux de Colibri, un restaurant, un Fab Lab. Donc on va essayer de faire ça. Je rebondis sur ton sujet, parce que du coup, on fait la même chose en province. Il y a déjà d'innombrables oasis, comme on peut le voir sur la carte des Colibris. Nous, on travaille sur des tiers-lieux alimentaires. Donc on appelle ça des tiers-lieux alimentaires, on pourrait appeler ça des oasis puisque ça c'est tout à fait dans la philosophie, en tout cas des oasis ressources, pas encore des oasis de vie, j'ai bien appris ma leçon. Très bien. Puisqu'en fait ces lieux, l'idée c'est vraiment de relocaliser la production alimentaire. Donc par exemple à Rennes, on travaille sur un appel à projet, donc ça sera une coopérative, probablement une SIC pour ceux qui connaissent, qui aura à la fois un magasin de producteurs qui sera entouré évidemment de fermes périurbaines, un restaurant, salle de concert, espace de coworking, etc., etc. La liste est assez longue, un food lab aussi. Et on a la même chose à Albi, on veut faire la même chose en Martinique. Donc il y aura des ponts, à mon avis, à construire avec les oasis, en tout cas sur la partie alimentaire. Ah bah j'ai hâte d'en savoir plus là-dessus, oui. Et puis pour ceux qui ne savent pas, donc une oasis ressource, ça va être une oasis où il y a a priori personne qui vit, ou un seul foyer. Et une oasis de vie, c'est à partir de deux foyers. Voilà, donc. Et pour ce qui est de savoir ce qu'est une oasis, eh ben, ça me permet de placer le thème du prochain webinaire, puisqu'on sera dans l'oasis de Serendip le 15 février. Donc ça n'est pas encore la fin, il nous reste encore à peu près un quart d'heure, mais on parlera justement plus d'oasis et de projets qui dépassent justement l'agriculture, parce que la permaculture c'est un peu tous les domaines, et c'est ça aussi qui la rend aussi belle. On continue alors d'explorer toutes les surfaces qu'on peut imaginer. Alors j'ai une question qui, j'avoue, me surprend, mais peut-être que vous allez pouvoir y répondre. Des mines en agriculture urbaine. Donc j'imagine que ce serait cultivé sous sol. Bah, ça se fait à Paris dans un parking. Il y a, dans le 18e, il y a un parking où ils cultivent des petites pousses. Ça s'appelle Jeunes Pousses, je crois, le projet. C'est cycloponique. Cycloponique. Et le lieu, c'est la caverne. Ouais, c'est ça.
Et ils font des pousses et je crois qu'ils font aussi des pleurotes ou des champignons. Des endives. Des endives aussi. Du coup, c'est pas trop gourmand en énergie Bah, c'est de la lumière artificielle. Ouais. Hein. C'est clair. En fait, ouais. Au départ, ils étaient ciblés sur des jeunes pousses. Finalement, ils ont un peu mis de côté cet aspect-là, justement à cause de l'éclairage artificiel. Ils se sont rendus compte, comme beaucoup d'autres, que l'apport en énergie lumineuse ne compensait pas. Voilà, n'était pas couvert par le coût de. Les recettes liées à la production de ça représentait peut-être, je sais pas, 50% du coût qui part dans l'énergie lumineuse, quoi, ce qui est un peu idiot. Par contre, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que voilà, il valorise un espace qui autrement n'était pas valorisé à travers des produits qui ont pas besoin de lumière, notamment les endives et les champignons, voire très peu besoin, quoi. Il y a d'autres exemples, il y a ça aussi également en Belgique, aux Pays-Bas ils font ça dans une ancienne piscine municipale, et à Londres c'est dans un bunker qui est, me semble-t-il, à au moins à 40 mètres sous la surface. Et quand on les critique, ils répondent écoutez, si vous avez envie d'installer autre chose dans le bunker, allez-y, mais en fait personne ne veut y aller. Donc ils valorisent un endroit qui de fait ne serait pas utilisé sinon, et puis déjà faut avoir envie d'aller passer sa journée dans un bunker à moins 40 mètres. Donc je pense qu'ils prennent une place où il y aurait personne sinon, donc c'est assez intéressant. Et pour juste sur la mine, donc c'est tout à fait autre chose. Mais je reviens du Nord aujourd'hui et à Los Angeles, je sais pas si c'est une ville qui est très connue maintenant pour son côté développement durable. Il y a ce qu'on appelle les terrils, qui sont des grands monticules de terre, de la terre qui a été exclavée pour les mines, et ça devient maintenant des zones de biodiversité qui sont assez intéressantes et qui se valorisent de plus en plus. On peut se balader, monter en haut, aller voir les corons et voir l'esprit du Nord. Et voilà, donc c'est intéressant de voir comment des anciennes cités minières peuvent se réapproprier leurs lieux et en faire des lieux de biodiversité. Merci. Oui. On va revenir maintenant sur quelque chose peut-être de plus généralisable. Quels sont vos conseils pour appliquer des concepts de permaculture en appartement? Alors, je ne sais pas si ça rentre dans votre champ d'action. Alors, moi, j'ai réfléchi à ça dans toutes les pratiques permaculturelles à l'échelle familiale. Et donc, il faut y aller par paliers. D'abord, on a décidé qu'on laissait plus rentrer le plastique à la maison. Ça a été quand même une grosse décision. Il n'y a plus de film. Donc, on s'est mis à utiliser des bols et des assiettes dès qu'on avait quelque chose à mettre dans le frigo, à le ressortir et juste en le faisant réchauffer dans un bain-marie. C'est assez pratique. Et je pense que dans un appartement, ce qui est intéressant, c'est de se dire quand je vais acheter quelque chose, à quoi ça va servir, est-ce que ça va pouvoir avoir plusieurs usages. Donc j'avais pas encore fait de stage de permaculture pour dire qu'on peut faire de la permaculture sans avoir été à la ferme du Berquillois. C'est tout à fait possible. Et donc il y a 12 ans, quand ma deuxième fille est née, je me suis dit, je ne vais pas acheter un appareil pour stériliser les biberons, je vais acheter un plat dans lequel on fait des nouilles. Parce que, en fait, quand j'en aurais plus besoin, je pourrais continuer à faire des nouilles dedans. Et c'était quand même super pratique parce que c'était une casserole dans laquelle il y a une passoire. Donc, il suffisait de mettre les biberons retournés dedans et puis de sortir la passoire et hop, on avait tout de suite accès aux biberons. Ce qui est à peu près l'usage qu'on fait d'un appareil pour stériliser les biberons. Et donc, c'est un peu anecdotique, mais ça commence comme ça, en fait. La permaculture dans un appartement, c'est comme sur un grand design. C'est de se dire comment je vais pouvoir aménager les choses pour que tout ce que je fais rentrer dans ma maison puisse avoir des usages multiples ou des usages différés dans le temps. Ça va d'abord me servir à ça, puis après, je vais pouvoir en faire ça, et puis après... de pouvoir réutiliser en fait ce qu'on a dans son appartement en le rebricolant, en le transformant soi-même, plutôt que moi je suis effarée sur le boulevard Voltaire où j'habite,
tous les lundis matin, il y a il y a tout Ikea qui est sur le trottoir, quoi. Et je trouve ça totalement effarant. Et je crois qu'on peut quand même arriver à traverser la vie avec des choses qu'on a achetées. Voilà, on peut avoir des nouveaux besoins, mais cette manière de toujours remplacer les choses est totalement anti-permaculturelle. Et voilà, ça commence par ça, se poser la question de comment j'organise mon appartement pour que les choses soient durables dans le temps, que je puisse en avoir plusieurs usages. Et un usage aussi au long cours, des choses qui se réparent, des choses. Enfin voilà, c'est toute une logique aussi de penser. Et puis aussi d'investissement, quoi, parce que voilà, même une bonne paire de chaussures qui va chez le cordonnier, il faut se dire oui, je vais mettre ce prix-là, mais ça va me durer plusieurs années. C'est une démarche d'économie, hein. Je pense que avant-guerre, tout le monde avait un peu cette démarche de permaculture et on a perdu ça assez rapidement ces 40-50 dernières années. Mais c'est quand même beaucoup de bon sens et d'économie. Et après, ça suppose aussi de coopérer avec ses voisins. Notamment le meilleur des appartements, c'est celui où on mutualise des pièces déjà pour soi, donc sur son lieu de vie, et puis éventuellement partager des pièces avec ses voisins. Donc là on se rapproche de l'habitat participatif, quoi, où on met en commun par exemple une chambre d'amis ou alors une buanderie ou même des équipements, des machines à laver ou des grands frigos, des congélateurs, quoi. Tout ça, c'est, voilà, si on raisonne à l'échelle de l'immeuble, il y a moyen du coup de faire une sorte de design où on répartit, on développe des espaces vraiment communs, partagés par tous. Voilà, ça suppose de s'entendre avec les voisins, mais bon, on n'est pas obligé non plus de s'entendre vraiment avec tout le monde, mais ça n'empêche pas de partager des choses, de mutualiser des éléments. Et puis après, souvent, on y gagne en convivialité, on peut prendre du coup goût à vivre avec ses voisins si on les connaît, quoi. Et voilà, ça passe aussi par le partage de petits outils, de perceuses ou autres. Alors il y a des sites internet qui permettent de faciliter les échanges d'outils, mais il n'y a pas forcément besoin de passer par internet si on connaît vraiment ses voisins. Alors en Suisse, il y a un système où les gens mettent des petits autocollants sur la boîte aux lettres où ils précisent ce qu'ils veulent partager avec leurs voisins. Genre, il y a l'image d'une perceuse s'ils veulent partager leur perceuse ou leur machine à laver, etc. Et c'est des choses assez intéressantes, ça, pour réapprendre à vivre ensemble, quoi. Et donc, du coup, on aurait pu te poser la question aussi, Yann, vu que l'habitat participatif, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Pour ma part, j'essaie d'être ce qu'on appelle un flexitarien. C'est un gros mot pour dire qu'on est en chemin en fonction de notre conscience et qu'on ne peut pas être parfait, mais qu'en tout cas, on essaye de tendre vers des choses qui nous semblent positives. Ce que j'essaye de faire, par exemple, c'est de ne pas consommer de viande à la maison. Je peux en consommer à l'extérieur parce que la pression sociale, les copains, etc. Et c'est pas toujours évident de réclamer son plat végétarien quand on est au resto avec tout le monde. Mais par contre, à la maison, on a le choix. Et je pense que ça peut être un chemin intéressant de limiter en tout cas la viande chez soi. Pareil pour les vêtements. Personnellement, je culpabilise quand j'ai énormément de vêtements que je peux pas mettre, en fait. On peut pas mettre 15 chemises dans la même journée. Donc, essayer de limiter, bon, tout le monde n'y arrive pas, mais au moins se débarrasser du superflu et des choses qu'on n'utilise pas, les revaloriser. Tu parlais beaucoup de multifonctionnalité. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'intéressant, de réemploi, de recyclage. Tous les concepts d'économie circulaire peuvent fonctionner. Après, la permaculture, on peut aussi faire un lien avec le feng shui, se sentir bien chez soi, cosy. On n'a pas besoin d'avoir une énorme maison pour se sentir bien, et parfois même, on se sent mieux quand on est dans un petit espace convivial et chaleureux. Et je pense que c'est tout ça qui fait la permaculture, quoi. Super, merci. Ouais. Donc là, il nous reste, j'ai encore une petite dizaine de questions et je suis vraiment désolé, on va pas avoir le temps d'y répondre. Par contre, on va rentrer ensemble sur Paris. Et donc, si vous voulez bien, je vous poserai les questions auxquelles
qu'on n'a pas pu traiter maintenant. Et puis du coup, nous, on mettra ça sur les commentaires sur la page Facebook du mouvement. Comme ça, voilà, toutes les questions auront pu être posées. Et donc, il nous reste 3 minutes pour conclure ce webinaire. J'ai envie de vous laisser la parole. Est-ce qu'il y a un message, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de dire? Je me lance. Alors c'est on peut dire que c'est un message ouvert. On est en train de se développer partout en France, voire même à l'international. Si des personnes se sentent l'âme d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse et ont envie de monter, de végétaliser leur ville, de se réapproprier la ville à travers des fermes urbaines ou des dispositifs d'agriculture urbaine, on est très ouvert pour collaborer, que ce soit à Amiens, Dijon, en Martinique, en Guadeloupe ou même en Inde. On est très ouvert là-dessus. Nous aussi, on lance une sorte d'appel à rendre la ville comestible. Ça rejoint un peu la dynamique des colverts, quoi. C'est de se réapproprier un peu le moindre, enfin tous les espaces pour les valoriser à travers l'agriculture urbaine ou même pour d'autres usages. Mais l'idée, c'est vraiment de valoriser des espaces communs à partir des espaces inutilisés. Nous, voilà, on est très orientés sur le comestible parce que voilà, c'est un des outils qui nous paraissait le plus approprié, voilà, vraiment pour à la fois répondre à cette question alimentaire, mais aussi revoir un peu le paysage urbain, quoi, à la fois dans les centres-villes, mais aussi dans les banlieues, quoi. On voit qu'il y a énormément d'espaces qui sont très peu valorisés, où c'est juste des pelouses, des gazons qui sont tondus toutes les semaines, alors que on peut au moins les transformer en faire de l'éco-pâturage ou alors planter des forêts, même si on n'a pas forcément toujours le temps de cultiver chaque parcelle. On peut au moins les restaurer à la nature et recréer des coulées vertes pour la biodiversité, ou alors pour cultiver des éléments, ou alors au moins avoir de la biomasse, du bois notamment, puisque c'est un matériau quand même qui est intéressant si on veut se passer du plastique ou autre. Bref, il y a moyen de cultiver l'ensemble de son territoire, même en élargissant un peu l'échelle, en ayant en tête un peu sa région, quoi. Voilà, il y a le concept de biorégion qui me plaît bien. C'est où on revoit un peu l'ensemble du territoire naturel, quoi, pour vraiment le transformer et mettre en cohérence vraiment tout ça, quoi. Moi, je me dis que les gens qui sont sur Internet, on ne les voit pas, mais ceux qui sont dans la salle, j'imagine que vous habitez dans des maisons sans doute autour de... Enfin, à Dourdan ou autour. Et c'est vrai que dès qu'on a quelques mètres carrés, on peut commencer à avoir une petite autonomie sur quelque chose. Donc, on peut commencer par les choses qui sont les plus... compliqué finalement à faire venir, parce que je pense par exemple aux salades, aux petites herbes, à des choses assez simples et qui tout d'un coup changent un peu les choses, parce que voilà, ramasser une salade dans son jardin pour la cuisiner, c'est super, et c'est une petite manière de démarrer et puis d'inciter aussi ses voisins dans leur maison à faire la même chose, hein. Je pense à ce permaculteur qui habite à côté de Rouen, j'ai plus son nom en tête, hein. Mais peut-être vous le connaissez, Joseph quelque chose, oui, voilà, Joseph Chauffret, qui sur les 350 ou 400 mètres carrés de son jardin est presque autonome en légumes, et tout ça en appliquant les règles de la permaculture. Alors il est quand même très chevronné, parce que c'est pas évident. Mais voilà, on n'est pas obligé de viser tout de suite l'excellence. On peut démarrer avec peu de place et demain. Super, merci beaucoup. Boris, Christine, Sébastien, merci beaucoup de nous avoir consacré votre temps durant cette heure et quart. Merci à vous tous, à la fois en présentiel et puis sur Internet. D'avoir été là.
C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et de voir un peu ce qui ressort et de continuer à apprendre et à créer cet apprentissage ensemble. Donc voilà, on va se retrouver quand vous voulez sur le MOOC Permaculture. N'hésitez pas à vous inscrire si c'est pas encore fait et à le finir si jamais vous l'avez pas encore fini. Voilà, tous les modules sont ouverts. Vous aurez jusqu'au 15 février et jusqu'au 19 février pardon. Et donc on se retrouve en direct donc le 15 février à l'Oasis de Sérendip, donc c'est dans la Drôme, voilà, donc le thème voilà, ce sera vraiment le design et les oasis, et tout ce qui touche voilà, aux autres domaines de la permaculture, autres que l'agriculture. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et à très bientôt.